famille. Bonjour chers internautes, éventuellement bonsoir. C'est toujours votre voyant Paris Astuce. Bienvenue dans la maison des astuces. Aujourd'hui encore, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment préparer une bague de protection. Une bague de protection qui va vous protéger à vie contre les mauvaises personnes. Cette bague va vous protéger contre les dangers, les envoûtements qu'on vous envoie, les envoûtements de sorcellerie dans votre famille, votre belle-mère, votre beau-père ne vous aime pas. Tout ça, voilà, vous avez des amis qui ne vous aiment pas, qui essaient de vous faire mal. Voilà, une préparation de bague de protection. Voilà pour commencer, que la bénédiction du Créateur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux soit avec nous. Qu'il nous donne une longue vie et une bonne santé de fer. Que les membres de nos ancêtres restent avec nous. Et pour commencer, nous avons besoin de quelques éléments très essentiels pour le rituel. Vous allez chercher trois feuilles. Vous allez chercher trois feuilles de résurrection. Vous voyez, trois feuilles de résurrection. Une fois que vous avez vos trois feuilles, vous allez acheter n'importe quelle bague de votre choix. Vous allez acheter les bagues comme ça de votre choix. Vous allez acheter des petits colas, trois. Vous allez chercher toi aussi. Vous allez chercher le piment du Guinée. Vous allez prendre 41. Le piment du Guinée, vous allez compter 41. 41, est-ce que vous me recevez bien? Vous allez compter 41 et plus la bague et les trois feuilles de résurrection, plus les trois petits colas. Vous allez chercher une jarre comme celle-ci, la jarre, vous voyez, une jarre comme celle-ci, vous voyez, une jarre comme ça. Mettez le tout ensemble dans votre jarre. Ouais, vous allez le mettre ensemble. Le tout ensemble. Vous diriez, mettez-le au feu. Sur un charbon. Sur le feu doux. Une fois que ça va finir de griller bien et ça va être noir, vous allez maintenant le verser. Laisser pour que ça se refroidisse. Après, vous allez prendre avec votre langue. Vous allez prendre votre langue pour prendre la bague avec. Les deux autres là, vous pouvez laisser là. En tout cas, peu importe le nombre que vous achetez. Je parle de la bague. Maintenant, une fois que vous finissez, ne le prenez pas avec votre main. Ne le prenez pas avec votre main. Prenez-le avec votre langue. Une fois que vous le prenez avec votre langue, et le produit noir dans votre bouche, vous allez maintenant le porter sur votre main, sur votre doigt. Vous voyez comme ça, ça serait dans votre main. Et vous allez mettre la main, votre doigt là dans la bouche pour que la bague puisse rentrer sur votre doigt. C'est comme ça que vous allez le porter. Ça, c'est une bague de protection très dangereuse. Et cette astuce, je le partage pour ceux qui n'ont pas d'argent. Pour me contacter pour que je puisse les aider à faire telle protection. Voilà une astuce très simple que vous pouvez pratiquer chez vous. Si vous aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc si quelqu'un a besoin de mes services, le numéro est très simple, c'est le +229 91 06 12 112. Le +229 91 06 12 112. Mon Gmail, c'est voyantparisastuces@gmail.com. Donc, bonne soirée à vous et prenez soin de vous surtout, car c'est l'essentiel. Prenez soin de vous, c'est très essentiel.
car c'est la santé après tout. Que la bénédiction soit avec nous et à bientôt.